Et salut à tous et donc, bienvenue pour la suite de Red. Nous sommes en live avec les petits moignons d'amour. Du coup, nous devons retrouver le bureau. Mais putain, il était où son bureau? Est-ce que quelqu'un se souvient où était son fucking bureau? Pour aller mettre le film, parce que du coup, on était mort comme un vieux caca. Je crois qu'il nous avait pris contre une porte, un truc comme ça, un truc bien sale. Ah bah il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrose ses plantes. Il marche clairement 10 fois plus vite que moi. Oh, mais il vient jusque là? Putain, elle est terrifiante, hein, sérieux. Il est prise contre une porte, Nelly? Ouais, c'était un peu ça, hein. Bon, je suppose qu'il est parti. Je sais plus où est son bureau, les gens. Je sais pas où il est, lui, d'ailleurs. Oui, il est juste là. Est-ce qu'il faudrait pas descendre d'un étage? Ou alors par là, là, non? Il est où là? Non, mais je t'ouvre la porte! Je crois qu'on a trouvé, c'est bon. C'est ici, non? Ouais, c'est là. Wouh, ça va, c'était pas loin. Putain, heureusement qu'on n'avait pas 10 000 trucs à refaire, hein, parce que ça aurait été chiant. Oh, je me suis chié dessus! Merde, attendez. Je sais plus comment on joue. Ne m'en voulez pas. Et bah, batterie, ouais. Use. Des cartes, vous êtes ici. Des pancartes, c'est. Vous êtes ici. D'accord. Non, ça va, franchement, heureusement, on avait sauvegardé juste avant de regarder le film. Allô? Ça buggait? Qu'est-ce qu'elle tripote dans son sac? Mais. Madame! Bah alors. Ça va plus, hein? To read the paper. Oui, mais le paper, on s'en fout. Film. Use. Ça bug et il se passe rien. Parce que j'ai rien. Ah merde alors. Attends, je vais essayer de me mettre. Fallait bien un film et une batterie, c'est tout. Le jeu a fait une mise à jour et je sens qu'il a fait de la merde. C'est le jeu maudit aujourd'hui, hein. Bah mince alors. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de relancer. Je me suis chié dessus. Alors ça, c'est mon fixe. Ah, vous me faites chier. Je sais pas ce que j'ai, il y a un putain. Je vais le débrancher d'ailleurs, ce fixe à la con là, qui sert à rien. Si j'y arrive. Attendez, j'y arrive pas. Là.
il y a un putain de numéro secret qui arrête pas de m'appeler. Dès que j'essaie de décrocher, il y a rien. Et il m'appelle à toute heure, hein. C'est super relou. Bon, pourquoi ça... Ça marche pas. Je crois que je vais relancer le jeu, hein. C'est genre Windows 10 en cours. T'en restes en 10. Non, c'est pas Windows 10. Faut peut-être enlever la feuille. Non, je crois pas. Hein. De toute façon, regarde la feuille, je peux juste la lire. Ah, si seulement j'avais trouvé un film, mais j'en ai un. J'ai failli faire un arrêt sérieux. Merde. Ouais, je vais recharger le jeu, les gens, parce que c'est pas normal, je crois. Regardez, elle farfouille dans son sac, mais... Bon. On va pas y arriver. On réessaye. Je profite pour le mettre en FR. Ah oui, on pouvait le mettre en FR? Ah oui, en effet, oui, c'est vrai. Ah non, c'est texte langage. Voilà. Ah oui, j'avais oublié cette histoire. C'est vrai. Prologue? Quoi? Comment ça, prologue? Oh putain, attendez, je sens le mauvais truc. Genre la mise à jour, en fait, elle m'a détruit ma... Enfin, elle m'a niqué ma sauvegarde, dans le sens où ils ont tellement changé des trucs que du coup, bah, le jeu bug. Faut tout recommencer, c'est ça? Non, quand même pas. Pourquoi c'était marqué prologue? Ah non, ça me... Putain, j'ai peur. Bon, son bureau est pas loin, essayons d'y retourner. Ça, la mage n'est pas le bon, de quoi? Pas forcément de chapitre pour le moment. Ah mais j'espère que la mise à jour a pas... Non mais là ma sauvegarde est là, mais est-ce qu'elle marche encore? Parce que je sais pas comment vous expliquer. Non mais je crois que je raconte n'importe quoi surtout. Bon, retentons. On va retourner sur The Evil Within, ça va gonfler tout le monde. On va lire la petite note. Ah là 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 là. Ok. Hop, on met la batterie. L'autre il est pas loin, ça me stresse. La batterie, y a pas de soucis, ça marche. On va y arriver, surtout. Surtout pas de panique. Et maintenant, le film. Ah, mais pourquoi ça bug? Mais attendez, la dernière fois, on avait mis la batterie, le film, et ça marchait, non? C'est quoi cette histoire? Coucou Mio! Merde alors! C'est quoi ce délire? Merde, excusez-moi. Là, j'ai bien sélectionné le film, utiliser. Ah! Essaye de faire clic droit. Non, parce que quand j'essaye essayer d'activer le vidéoprojecteur, c'est ça? Mais ils me disent qu'il n'y a pas de film, justement, regardez. Bon, là, il me dit plus rien, mais très bien. Voilà, si seulement je trouvais une vidéo. La vidéo, je l'ai, mais il faut que je la mette. Sauf que là, vous voyez, c'est bien sélectionné, utilisé. Ok.
Bon, bah, je sais pas ce qui s'est passé. On a réussi, ça a été compliqué. Allez, c'est reparti. En espérant qu'on ne meure pas, parce que sinon on se retape encore tout ça. C'est un peu chiant. Est-ce que du coup je peux zapper la cinématique vu qu'on l'a déjà vue? Mesmerism session with drug injection. Patient is Richard Felton. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont pas vu? Est-ce que je peux la passer ou est-ce qu'il y a des gens qui l'ont pas vu? Of the metronome. Can you hear me? Yes. Breathe deeply. Keep your eyes on the metronome. I can't. Stay calm. Keep control of yourself. Non, mais le jeu, il a pété son câble. Moi, j'ai pas vu, ok. Je laisse. What day were you born? Attends, je vais signer mes contrats à déco, m'en voulez pas. Can you tell me which day today is? J'ai peur d'oublier, après. Your wife's name? Ariana. We're in March, I think. I don't remember. I can't remember. It's not. It's part of the mesmerism process. Stay focused. Keep your eyes on the screen. Actuel quand même pour allumer un film avec un fou juste à côté. Ouais, surtout vu le bruit qui a fait le vidéo projecteur. Celeste. On the swing. J'active la wifi parce qu'il n'y a pas de réseau. Can you see her? Keep visual contact. I see her back. She's still swinging. She can't hear me. Connexion. Mr. Felton, keep calm. What you see is not material. It's a reflection of your subconscious. My entire fault. I knew this would happen. That she would escape. We were supposed to protect her so that they wouldn't find her. Who are they? But I never thought she'd come back. Who are they? You mean Celeste came back after she disappeared? But she wasn't my little girl. No, she wasn't Celeste. She was Jennifer. Mr. Felton, who are you talking about? Who's Jennifer? When my father came back in 1930, it was like he was dead. No physical wounds, just broken inside. He changed. I have never liked or loved him very much. Non, non, c'est sa femme, je crois. The man that came back from me was far from being the man that once left us. He came back to himself pretty quickly, but not how I wanted. Mr. Felton, were you abused by your father? Oh, no, never. He was a good man. Very strict. Yes. Oui, il a l'air tellement presque sain quand on le voit, là. Kind of monster. Il se bat pas le cul à l'air, enfin. Il a l'air presque gentil, quoi. I was a disappointment to him. A wimp. Putain, ça me pète les yeux la vidéo, là. Ça, ça m'a fait peur. Ça suffit. Do you think your daughter's disappearance is related to your relationship with your father? Allez, retour. C'est bon, le jeu marche. My father, he hurt me to prevent me from her. Ok. Donc c'était là où on avait foiré. Doctor. Neko arrive, ok. Found what you were looking for. I tried to warn you. You should have listened. Is it really worth it to put yourself? Oh là là, c'est pas dans caoutchouc. C'est pas sexy. Stop, bitch. Bitch. Shigo! Oh Shigo Dayo! Oui oui oui! Tu arrives au meilleur moment! Comme d'habitude! Eh, Neko est là! Bonsoir! Sooner or later, everyone will find out the truth. I already told you that c'est pas la joie ici. C'est le moment des hostilités, ouais. On n'a pas intérêt à se foirer, bah si on recommence tout, ça va être chiant. Fucking liar. Faudrait lui donner un surnom, ouais. Oh, j'avoue. Papy, comment on pourrait l'appeler ce papy? Papy Pruno. You have no idea of what I've been through. And
Papy Pruneau parce qu'il se balade à poil et qu'on voit ses pruneaux. Non, je pense pas à ça en fait. Burns, ouais, bah, on se rejoint dans l'idée un peu mieux. Was one of those arranged marriages where only the parents-in-law love each other. Ah oui, le moment où on était presque triste pour lui. Pendant deux secondes. Puis Bruno. C'était pour rigoler. Coucou mon petit Nico, tu vas bien? More than you can handle, miss, and you would not understand. It's true. I might not be able to understand. Ouais, j'avoue, c'est pas bien possible. I believe Celeste decided to leave because she was terrorized by your morbid intentions. No, it's not true. And yet, sometime later, she comes back home to the lion's den. It's not true. One afternoon, she knocked on the door. Le genre a moins que la dernière fois, du coup, j'ai l'impression, non? J'ai l'impression que c'est un peu plus fluide. Ah, j'ai l'impression. Wasn't Celeste. Putain, j'ai chaud maintenant. Oh, la fille est chiante. Then you came and God bless you. Thanks to you, I finally realized. Jennifer was to blame for my pain, my disease. I could not let her go away again. So one night I slipped into her bedroom, and there she was, tempting me. I could not let her hurt us again. No, can't we? And yet, you saw her body. I had to. Donc non, c'est sa fille en fait qui était dans le lit. C'est je vous jure. Disgusting murderer! You're a murderer! God forgive me. Forgive me. Bah non, pourtant quand on l'avait vue, elle disait madame machin là. You came to us to free us from me. Oh, y'avait quelqu'un derrière moi, ça va plus. Du coup, c'était pas sa femme et sa fille. Non, mais là, je suis paumé là. Oula, attendez, faut que je me concentre. Ah oui. Bon, cette fois, il faut pas que je parte vers la porte du bureau parce qu'elle est fermée. C'est là où il m'avait bloqué en fait. Allez! Je sais jamais s'il faut que j'appuie en même temps ou pas en même temps. Mais vite, il se relève! Quand même! Donc par là cette fois. Oh putain! Oh j'ai peur! Oh putain, c'est quoi ça? Les moignons? Ah! Mais attendez, je suis poursuivi par deux trous du cul maintenant! Oh mais même lui il s'enfuit! LOL! Merde, j'aurais dû le suivre! Il est parti! Est-ce que c'est musique? Ouh là 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 là, mais putain, il y a un truc chelou qui me suit, pitié. Putain. On descend. Je sais pas, il faut que j'aille. Il est où, papy Pruneau, viens. Aide-moi. Putain, il faut que j'aille où? Stop, sister. Ah l'autre, il a dit stop, sister. Ouah, mais faut que j'aille où? Faut que je fasse quoi? Mais non! J'ai cru que c'était pour se cacher. Je crois qu'elle est genre juste derrière moi. Chassez les papillons, mais c'est pas le moment des papillons là! Allez où, allez où, allez où? Putain, putain, putain. Il faut que j'aille où? J'entends l'autre parler, je crois, mais je sais pas où il est. Papy, aide-moi! Je suis caché! Aïe! Ah non, je suis pas caché. Oh putain, je vois son gros, on dirait un gros plumeau géant, quoi! Je sais pas où il faut que j'aille!
Reed. Non ! Mais pourquoi tout le monde me connaît, quoi ? Oh, merde, c'est fermé. Bonjour ! Aïe ! Non mais lol, je sais pas où aller ! Oh non, je vais encore crever, non ! Mais what ? Oh non mais sérieux, le jeu après une cinématique pourrait faire une sauvegarde quoi. Faut que tu te pâches cache-cache pars et tout. Ouais mais bon, elle court aussi vite que moi quoi, enfin plus vite même. Donc c'est chaud. C'est une colonne vertébrale, ouais, on aurait dit ouais. Putain. Putain non mais par contre c'est chiant de devoir tout recommencer quoi. Le jeu, il gère pas une cahouette, là, pour le coup. Ils auraient pu quand même mettre une sauvegarde après. Tu es une mode spéciale hiver. Putain, il y a un mec son cul, non? Il faut peut-être que tu sortes, mais c'est fermé dehors, non? Enfin, la porte d'entrée, elle était fermée, en tout cas. Ça m'étonnerait qu'elle soit ouverte d'un coup. Bon, j'espère qu'on va pas se retaper le bug du film. Putain, mais c'est chiant. Putain, mais on va devoir tous retaper, quoi. Relou. Relou, relou. Coco Bilou. Coco Bilou. Putain, mais je me retape le même bug, mais what the fuck, quoi. C'est fou, cette histoire. C'est chiant. Non, c'est chiant, là. Putain, mais pourquoi ça fait ça? Si seulement je trouvais une vidéo! Si seulement j'arrivais à le sortir de mon cul, surtout! Oh, mais pitié, quoi! Pourquoi ça marche pas? Non, mais c'est insupportable! Help, c'est insupportable! Au bout de la 20e fois, ça marche. Ah! Oui. Allez. Allez, on passe la cinématique. On passe la cinématique. Ah! Non mais en plus, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué que je me rappelle plus du tout de la map, je sais plus du tout où on peut se cacher, etc. Donc, chaud quoi. Quand tu veux, un jour peut-être. Oh. Ah. Oula. En plus, elle sort tellement mieux de part, quoi. C'est un chargement, mais pas de sauvegarde. Putain, mais regarde, elle court plus vite que moi. On va essayer de suivre papy. On suit papy, on suit papy. Non, mais tout le monde court plus vite qu'elle, quoi. Pas maintenant. Allez, d'accord. Ça y est, je l'ai déjà perdu. Je l'ai déjà perdu, papy. Elle veut pas se cacher. Merde.
Sauvegarde, sauvegarde. Non, je peux pas. Putain, mais elle est proche de moi que je vois plus mon perso, quoi. Come to me and to my little trap. Je sais pas pourquoi mon perso veut pas se cacher aussi, ça aide pas, hein. Je sais pas où est passé papy. Ah, c'est bon, j'ai réussi à me cacher. Pachoacho. Ah, j'aime pas sa voix, elle fait flipper. C'est de la nobelle d'un signore. Ma signore. Mais c'est une meuf ou ce qu'il disait ma sœur. Attendez, ça me gratte le poignet. On va attendre un peu, hein, qu'elle se casse. On va sortir d'ici, mais on sait toujours pas comment on peut sortir. Hein. Alors là, on est retourné ici, d'accord. C'est quoi ce bruit ? Complétez ! Cachez-vous de la religieuse en rouge. J'aimerais bien réussir à sauvegarder, surtout, parce que là, s'il faut que je recommence, ça va me gonfler. Je peux pas sauvegarder sur ce miroir là, non. Et du coup, c'est quoi mon prochain objectif? Trouver une sortie alternative, enquêter sur la disparition de Céleste, trouver quoi que ce soit pour activer les interrupteurs des escaliers dans la cave. Interrupteur, c'est quoi? Cela là? Ah oui. Du coup, elle s'est barrée, elle est plus là. Je pense pas. Là. Mais si elle me chope et que j'ai pas pu sauvegarder, ça va me saouler. Une pastille pour la gorge. Normalement, je me rappelle où il y a une sauvegarde. J'ai entendu un bruit ou j'ai rêvé? Putain, il n'y a plus de bruit. Je sais pas si elle se balade ou pas. Je suis stressée. Alors, mission sauvegardée déjà, dans un premier temps. C'est ici? Je sais plus. Putain, je suis stressé les gens. Je sais pas si ça se... Putain, oh, je me suis chié. Quoi? Bah attendez, mais on l'a vu d'où? J'ai l'impression qu'on a vu à travers les murs. C'était ouf, faut que je retourne dans les escaliers, non? Là, je crois qu'on a vu à travers les murs. Clairement. Oh oui, la sauvegarde. Ah, sauvegarder le jeu, oui. Oh putain, elle fait flipper. On va même le refaire pour être sûr, voilà. Ah, ok. J'avais pas une lampe. Oh putain, je viens de découvrir un truc, regardez ce que je peux faire, ça sert à rien du tout, mais... J'avais pas une lampe, parce que là, je vois que dalle. Ah, elle est peut-être plus là, hein, vous me direz. On va essayer de courir, en mode j'en ai rien à foutre. Parce que Papy Pruneau a l'air de s'être barré assez vite. Alors, il a flippé sa mère. Ah non, c'est la cuisine, ça. Et elle, on sait pas si elle est là encore. Hein. On va courir en mode... on est des thugs. Oh, la discrétion. Puis si on tombe dessus, bah écoutez, merde.
Alors je crois que dans la cinématique, la cinématique était là, je crois. Hein. Oh là, oh les boules, je pensais pas qu'elle serait. Let me go. Jennifer. Oh putain, mais on avance tellement dans le jeu là d'un coup. C'est fou. Donc ça c'est Jennifer. Je charge et la fin du jeu. Ah merde. Rendez-vous dans le grenier. Suivez la jeune fille. Activer ça là. Mais c'est trop haut, c'est ça. Le mec est de retour. Papy Bruno. D'accord, ok. Non mais personne ne dit, moi aussi. C'est pour courante. Je suis caché. Non, ça marche pas. J'essaye, hein. Pas maintenant, faut que je cours, mais j'aurais pu me cacher trois fois au moins. Ça, je comprends pas bien la logique du jeu aussi. Pourquoi là on peut pas se cacher? Qu'est-ce que c'est? C'est flippant. Et toujours derrière moi l'autre? Non? LOL, ça fait disparaître le monstre, d'accord. Parfait. Donc, le corps de la femme a disparu, tout va bien. Religieuse en rouge du Christ... Attendez, il n'y a pas un problème avec la photo, là, on voit rien. Du Christ mourant, affecté aux cultures. Plantation au Rosso Gallo, 1970. Lors... Ouais, attendez, il y a un truc écrit. Lors de l'incendie dans les champs, quelqu'un a survécu, c'est elle, je l'ai reconnue. C'est comme si elle avait suivi Céleste. Elle s'est présentée à la porte quelques jours après son retour. Pardon. Selon Richard, c'est un signe divin. Il pense que cela va nous aider à retrouver notre fille. C'est n'importe quoi. Elle est notre fille. Son obsession pour Jennifer finira par nous tuer tous. Cette religieuse-là, celle qui travaille dans les champs, la fille d'Ashman, elle est parvenue à contrôler ses papillons de nuit dégoûtants. Ah, c'est elle, c'est merde, d'accord. Elle finit par s'impliquer dans l'affaire, mais je l'ai déniché. Elle cherche à se venger pour le prototype 2 de phénoxyle. Pour tout ce qu'on a fait, maintenant, elle a persuadé Richard à me renfermer à la maison, dans la petite chambre à coucher avec Céleste. Je ne peux pas faire grand-chose, là. J'aurais dû faire quelque chose. J'aurais dû arrêter Richard et ce maudit Wiman quand j'en avais le pouvoir. Mais la situation a dérapé. Il faut que je fasse quelque chose. Maintenant, je dois réagir. Je dois le faire pour elle. Avant que les séances ne fassent effet, avant qu'il ne soit trop tard, avant que je n'oublie, le cortisone peut toujours les aveugler. Cela peut tuer. Le cortisone. Peut-être un RDS. Ah. Oh merde. Je voulais essayer de me cacher, mais J'ai rien compris ce qui vient de se passer. Ta gueule. Ce jeu est sacrément sombre. Ouais, on voit pas grand-chose, non? Attendez, je vais... Parce que même moi, là, je galère un peu, hein. Merde, attendez, peut-être augmenter un peu la luminosité parce que je vois vraiment que dalle. Hein.
Oui, sauvegarder, bah ouais, je vois pas de différence, mais. C'est peut-être un peu trop là, non? Attendez, je vais mettre à 60. On voit que dalle quand même. Est-ce que c'est mieux ou pas? On n'arrive pas à l'autre. Alors du coup, je n'ai rien compris à ce qui vient de se passer. J'ai entendu des bruits en haut. Là, ici, tout s'est pété à la gueule. Ah! Oh! On va pouvoir prendre le parapluie pour tirer sur la manivelle qui va nous permettre d'ouvrir le grenier. Vous avez très... Un vieil manche de parapluie. Ok. Très bien. Est-ce que il y aurait un objet des fois unsafe par ici? Il y a point d'objet des fois unsafe. Ça m'aurait fait plaisir. Un petit objet. Je pense que... Putain, c'est lunettes. Non, il y a pas... Putain, il n'y a pas un objet défensif. Attendez, je vais le voir dans la salle de main vite fait. Je vais manger. Bon appétit, Chigo. Objet de diversion. Je voulais un objet défensif. Putain, il est pas loin. Sur la manivale. La rivale. Oui, si. C'est même pas une manivale en plus, c'est une espèce de petite poignée là. Bon, elle a l'air d'être pas loin. Hein. J'aimerais pas crever maintenant, ça ferait beaucoup de trucs à refaire. Alors où elle est? Ah bah, le miroir est juste là. C'est quoi ce bip? Ça m'a fait super peur. Toujours pas d'appel, moi? Oh, j'entends une porte. Est-ce qu'on soignerait pas un peu? J'ai l'impression qu'elle a des bleus. Ouais, on va sauvegarder déjà, voilà. On va se soigner pendant qu'on y est. Ça allait pas loin. Du coup, c'est faut redescendre, c'est ça. Hein. Mais, oh putain, et on voit rien. C'est quoi le bouton? Lampe de poche. Ah oui, c'est espace. C'est vrai. Ah putain, ça va mieux. Hein. Mais j'entends des bruits et j'ai l'impression que ça vient derrière moi et en fait. Les bruits sont trop bizarres dans le jeu, hein. Ça vous aiguille pas du tout en fait quoi. Vous n'arrivez jamais à savoir d'où ça vient. C'est très étrange. C'est très compliqué de. D'éviter Papy Pruneau et sa sœur. Enfin non, c'est pas sa sœur du coup, c'est une sœur catholique. On pourrait l'appeler. Ah non, mais c'est juste là en fait. Je sens qu'elle va m'arriver dans le dos. Et surtout qu'on entend ses pas. Mais la cinématique va me sauver. Bon, de toute façon, on doit sauvegarder juste avant. Yay! Putain, dites-moi que la catholique ne sait pas grimper une échelle. Vite. Bouge dans le cul. Putain, grimper une échelle avec des talons comme ça, ça doit être très drôle aussi, je pense. Allez, putain, on avance grave. C'est trop cool. Putain. Bon, normalement, personne peut nous poursuivre ici. Hein. Pas déjà. Il y a des mannequins partout, c'est génial! Oh là là, c'est terrifiant. Moi, il faut savoir que tout ce qui est représentation humaine, mais qui n'est pas humain,
Ça me fait gravement flipper, quoi. Les mannequins, les poupées, les... Je trouve ça d'un malsain. Oh, putain de bordel. C'est quoi, ça? On dirait qu'une petite fille vivait ici. D'un coup, c'est plus traduit, on sait pas pourquoi. Du coup, j'ai fesse droite qui me demande « Alors, le proprio, il a dit quoi ?» Il m'a pas appelé. Ah, c'est une tête de poupée, non? Il y a un truc accroché au plafond derrière moi qui est très bizarre. Il y a quelqu'un qui était poursuivi par des gens et tu te demandes, mais t'es bête, j'avoue. Surtout qu'on a vu quelqu'un monter dans le grenier, donc on sait qu'il y a quelqu'un. Ça, c'est pas cool. Et oh, bonjour! Je vois bien avec un gros mégaphone, bonjour! Nouvel objet débloqué! Nouvelle maison, nouvelle affaire, nouvelle vie. 1965, en défaisant les valises, Ariara et Cell, je suis Jennifer! Quoi? J'ai rien compris. Quel était ce message? Et Céleste, ah d'accord, c'était Céleste, le prénom Céleste qui était raturé. Il y a quelqu'un derrière toi, meuf. Et c'était marqué, non, en fait, je suis Jennifer. On me dit pas que c'est encore une autre qui veut me... chatouiller. Tu flippes sur les représentations humaines, pas humaines, et les gens qui frappent derrière les portes. Je prends note pour un prochain projet. Ouais, non, c'est peut-être con, mais en fait, c'est ça qui me fait peur, c'est les trucs qu'on voit pas forcément, en fait. C'est parce que, enfin, quand c'est peut-être bête que j'ai peur quand quelqu'un frappe à la porte, mais vous pouvez absolument pas savoir qui est derrière la porte, en fait. Et du coup, l'imagination peut partir très loin, et oui, non, voilà, ça me fait peur. Bref. Mais le ciel veut me chatouiller! Je m'en vais! J'ai compris! Putain, mais ça suffit quoi! Ils sont combien de courir après? C'est ça marrant? Je me suis un peu chié dessus. Il se passe trop de trucs là. Je vais faire le projet spécial faisant peur à Nao. Et ça serait quoi? Un jeu, un film? L'adjoint et le maire ont expliqué leur solidarité envers les victimes. Les enquêteurs cherchent à éclaircir ce qui s'est passé. Elle a pas tort, hein. Attaqué ce matin, ça n'a pas été comme ça. Ah, ça n'a rien à voir avec notre histoire, non? Ah si, il monte une femme aux cheveux blonds pourtant intérieur à l'innocence approchant d'un homme sous prétexte d'allumer une cigarette. Ah non, on est encore vivante. Putain, j'ai eu peur. C'est moi qui ai laissé cet homme. Il voulait le fourgon. Ah, c'est peut-être... Although the man is now out of danger, he has suffered lesions and a concussion and has been admitted to a hospital nearby. A few hours ago, the authorities provided an identikit of a woman based on the victim's description. Je crois que c'est moi. Merde. Or if you have seen you. Putain, elle est là. Mais pourquoi j'ai les yeux qui brillent dans le noir, que ça c'est terrifiant. But you mustn't touch my things. My things are mine. Ils sont tous tarés dans cette famille. Oh, pitié. On se croirait dans Resident Evil un peu. Lumière derrière la cheminée.
Pardon. Servez la cheminée suspecte. Oh, t'es juste derrière, d'accord. Attendez, je lis vite fait ce que vous dites. Toc toc. Putain, attendez, elle se lève. Un film, je sais pas développer de jeu. Ok, c'est-à-dire sur la télé. Elle va pas venir me taper sur la gueule, hein. Tape sur la télé, hein. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais y a pas des gens qui vont arriver, y'a déjà quelqu'un là! Hello Riku! Mais calmez-vous, y'a 50 000 gens quoi! En fait, on parlait pas de cette cheminée, je crois. Non mais lol, calmez-vous quoi. Ça passe trop de trucs en même temps. Tape pas sur la télé comme ça. Ouais, putain, le jeu rame du cul un peu. Ah d'accord, je suis là. Putain, mais je sais même pas de quel cheminée on parle. Ça fait un peu Alyssa Easer. Ouais, je vous. Je sais pas où est l'autre 5D. L'autre, elle fait un bruit pas possible. Le miroir est juste là, mais je crois que la meuf est pas loin. Essayer de sauvegarder, c'est dangereux, mais... Ah! Je m'en fous, j'ai réussi à sauvegarder! Putain, mais ça tape dans tous les sens! Il y a trop de bruit en même temps, ça suffit! Bon, au moins, je me suis soigné. Oh là, il y a trop de bruit en même temps. L'autre me stresse là, pour parler. Je suis dans l'entrée. Putain, là, c'est... Putain, mais on parle de quelle cheminée, pitié! Pitié, on parle de quelle cheminée! Parce que... Observez la cheminée suspecte. Quoi? Mais quelle cheminée suspecte! On est d'accord que c'est pas cette cheminée-là? Bonne soirée, Rose, et gros bisous! Oui, non, mais c'est pas celle-là, de toute façon, y a rien à observer. Putain, les gens, je suis perdu, hein. Est-ce que quelqu'un a compris? De quel cheminée on parlait? Parce que moi, je n'en ai aucune idée. Voilà. Bon, en tout cas, on aura quand même pas mal avancé, j'ai l'impression, c'est cool.
Et le jeu a l'air d'être loin d'être fini, hein, donc tant mieux. Par contre, la cheminée... De quelle cheminée on parle, quoi, pitié. Pas du tout, allez. Je me balade au pif là. Est-ce que quelqu'un a une idée? On parle de quelle cheminée? En haut, en bas? En bas, en haut? Je suis le seul à avoir le stream qui ramouille. Ça ramouille beaucoup? Ah ouais, j'avoue que ça ramouille un peu du cul là, je sais pas ce qui se passe. Même pour moi en fait. Non, ça rame grave. Encore là? Parce que moi là ça rame plus. Ouais, je pensais à ici mais non. C'est quoi ça? Ah mais j'ai pas d'objet de défense. J'aimerais bien en trouver un d'ailleurs. Ça ramouille un chouïa. Bah moi ça va mieux. Mais avec les bruits, j'arrive tellement pas à comprendre où c'est. Non, bon, ça va mieux, écoutez. Lui, mec, j'arrive pas à comprendre les bruits. Bon. Vu qu'on court, essayons de trouver cette cheminée. Ah, c'est peut-être celle-là. Ah, c'est celle-là. Ah, maintenant il faut que je cours. Mais allez. Oh non. Oh, oh putain, bah ça ramait peut-être pour une raison. Je crois que le jeu vient de planter. Oh merde, mais c'est quoi ce jeu en carton? Ah.